Bon les gens, salut à tous, c'est Okonai, bienvenue sur League of Legends. On est avec le singe en partie complète commenté pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors on est contre un Shen, c'est très important de regarder évidemment notre adversaire pour savoir ce qu'on va prendre comme build. Shen est un tank qui fait des dégâts un peu hybrides à PAD, du coup... Il va pas vraiment nous poke. Il va nous falloir du vol de vie, donc on va partir sur un Tiamat. On va pouvoir partir Couperet Noir Tiamat. Alors par contre comme starter, je pourrais prendre un Doran's Blade pour mieux farm. Je risque normalement pas de merde. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Let's go. Le Doran Shield, je pense pas qu'il nous poke beaucoup. Je pense qu'on va juste prendre la Doran qui va nous donner du vol de vie, des dégâts et des points de vie. Pas besoin du Doran Shield, même si c'est quand même un objet très fort. Ça va être intéressant d'avoir quelques dégâts. Donc on est contre un Mastery, le jungle de la solo queue qui terrasse certaines parties. On a... Oh non, on a une Luxupor. Bon, justement, c'est parfait. On va perdre cette partie juste pour vous montrer pourquoi il faut pas jouer le Luxupor. Oh, il m'a l'air agressif le Shen là. Et je vais vous montrer pourquoi Luxupor, c'est de... la grosse merde. Ah, j'ai raté un creep, malheureusement. Allez, allez, on fait des dégâts sur le mêlée, s'il vous plaît. Merci. Donc il est parti d'Orange Shield, lui, c'est sûr. Voilà, la botlane va perdre. Ça, c'est évident. C'est de base, ma botlane perd. Mais là, j'ai en plus une Lux support. Du coup, ça va être encore pire. Merde, il me fait super mal. En fait, j'aurais dû partir d'Orange Shield, en fait. Parce que du coup il est super safe au niveau des trades. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être pas super fluide. Bon, on a un petit peu de vol de vie, du coup ça passe. On va reprendre des points de vie tranquillement. Voilà, ça va un petit peu push de mon côté. Normalement, on va essayer de pas trop faire des dégâts. J'ai beaucoup de sbires contre moi, il peut venir sur moi, ouais. Je peux plus vraiment farm, là j'ai pris beaucoup trop cher, je pensais pas qu'il allait me trade autant. Ah mais il a déjà utilisé sa potion. Oh, c'est très bizarre ça par contre. On va perdre quelques farms, il n'y a aucun souci. On va arriver sous tour. On va juste rester à côté pour prendre le farm quand même. Merde, ça par contre je pensais pas que le monstre allait mourir aussi vite. Voilà, double kill, aucun souci, c'est une luxe, hein, c'est une luxe. Voilà, elle dit GG, elle a pas compris. Elle s'est fait, le mec s'est fait autofill. Aucun souci. Ok, on va utiliser notre potion. Il y a flash, il va peut-être mourir. Il vient peut-être d'absorber tous les dégâts. Ok, c'est parfait. On va jouer safe, on va jouer au niveau du phare. On va se prendre un petit Chama, ça va être parfait. Quoi ? Bon bah ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui, bah en fait j'ai vu le Mastery, il avait 3 points de vie. Du coup je sais pas ce qu'il a foutu. Le Kha'Zix a juste pris son opportunité. Alors par contre mon Q qui rajoute de la pénétration d'armure, est-ce que ça aurait été pas mieux du coup? Merde, j'ai encore foiré. Je suis pas fluide, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis lent en termes de FPS et de MS, c'est très bizarre. Luxix trolling, non mais c'est juste le pic est dégueulasse en fait. Vu qu'il TP pas, je vais me permettre de farm en fait. Je vais peut-être même pas avoir besoin de... d'utiliser ma téléportation, on verra. Si ça bouge de mon côté, limite c'est bien. Ok, on se casse. Ça va peut-être faire un petit freeze. Oh, c'est dommage. Ah, oh, c'est dommage. Bon, je vais l'aider. J'ai vraiment pas pris le truc qu'il fallait, putain. J'ai paniqué du coup. C'est bon, tu l'as. Ok, GG. Bon, c'est cool, ils sont un petit peu cons en face. Putain, j'ai acheté. Mais pourquoi j'ai acheté ça, putain, le panic buy quoi. En plus, je voulais commencer Tiamat. Bon, bah, du coup, let's go quoi. Ouais, mais non, en fait. Hop.
Voilà, parfait. Comme ça, le chêne, il a fait son petit freeze comme un débile. Du coup, ça a servi à rien. J'ai pu téléporter à la bot lane. Et je vais même pas... Bah, je vais pas perdre de creep. Ma tour n'aura rien pris. Je vais évidemment perdre des CS. Attends, on a mis à 3-0. 3-0 le Kha'Zix, c'est énorme. Bon bah du coup, je suis désolé pour mon stuff, c'est vraiment pas exemplaire là ce que j'ai pris. J'ai juste paniqué pour la bot lane. Au moins, la Lux ne hint pas. C'est juste que son personnage pue la merde et que... c'est tout. Là c'était très dangereux de se faire taunt dans tout ce bordel, c'est pour ça que j'ai fait mon clone. Oh, bah nickel. Vas-y, on va faire un petit freeze là, on va utiliser la petite potion. Alors par contre, Shen qui va peut-être passer niveau 6, ouais, il n'est pas encore niveau 6, mais justement ça va être une galère avec le Lucien. On va voir comment ça se passe. C'est vrai que ça risque d'être compliqué. Merde. Ouais, j'ai pas de nouvelles de l'autre là, moi. Faire un petit freeze. Il est toujours pas niveau 6, mais il a une téléportation. Donc peut-être qu'il va prendre exemple sur moi. Il a peut-être... Bah GG ça les gars. Oh super le Galio. Super ult le Galio. Galio qui est un pic utilitaire. Ok, l'ult il est en 2-0. En 2-2 je veux dire. Ok, il est parti full armure lui. Mais il a pas le choix, hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Top laner AD. Jungler AD, il a tout à fait raison. Moi, je vais pas partir cap solaire, en fait, parce que bah, il va me... C'est un meilleur tank que moi, du coup, ça sert à rien. C'est pas une Riven ou un Panthéon en face, donc j'ai vraiment pas l'utilité de faire ça. Je vais plus prendre des trucs Tiama pour survivre, Coup près noir pour le défoncer plus tard, etc. Ça m'empêche pas de lui mettre quand même un petit Thunderlord, quoique. Ça sert presque à rien, en fait. Ça sert presque à rien de mettre un petit Thunderlord. Ouais, ça sert à rien parce qu'il va m'outtrade en fait. Avec autant d'armure, ça sert à rien. Faut juste que je me concentre au farm. Le masterier était bot. Il est peut-être passé. J'ai plus de mana par contre là, c'est un peu relou. On va utiliser la potion parce qu'on va bientôt back. Ok, on se casse. Ça va pas pouvoir freeze, c'est parfait. Je l'ai. Il va pas freeze, ça va juste être sous tour. Normalement ça devrait le faire, mais il va peut-être en rater quelques-uns. Putain, j'ai quand même pas mal d'avantages, ça c'est plutôt cool. Il a toujours pas utilisé sa téléportation, donc ça c'est très bien aussi. Il me faudrait des bots. Il me faudrait des bots de... Oh oui, il me faut ça. Hein. Ah, il me faut clairement ça. Non mais ça, je peux pas prendre ça par contre maintenant. Vite, je suis en train de perdre du temps. Vite. Ok, c'est bon. Pink. Control ward. Ok, 1 minute 24. Ma téléportation. Oh, c'est risqué ça. C'est risqué parce que. Oui, il faut absolument que le Kha'Zix vienne. Espérant qu'ils ont. Oh, oui. Oui, il faut pas qu'il engage. Attends que le Kha'Zix vienne. Ah, c'est dommage. Oh, mais il a flash. Parfait. GG, les gars. On va le noter. C'est très bien, ça, c'est très bien. Ils peuvent limite venir top, hein. Non, il est pas con. Il a pas l'air con, le Shen. Je pense qu'il avait une petite ward. Bah, il a juste vu qu'il s'est fait une invade le Mastery, quoi. C'est quoi le dragon? Ça, c'est un dragon qu'il faut pas sur Mastery. Sinon, il va pouvoir speed push en 2 secondes. Shen est 6. Shen est 7. Et avec un ultime. Mais je peux l'interrompre comme je veux. Hein. Donc, en fait, je vais pas freeze, en fait. Sinon, il va prendre trop de liberté, en fait. Il va prendre trop de liberté. Là, il faut que je sois prêt à flash et tout, là. Ah, moi, qui TP pour justement... je sais pas. Ah, attention, j'ai peut-être de l'aide. Ah, mais je pensais pas qu'il allait venir aussi vite. Ah, trop drôle. Trop drôle. Je voyais pas le Mastery ici, tu vois. Ah, c'est rigolo ça, bien vu. On commence à avoir des petits strats, hein. C'était du... Je crois que je suis en plat 4 MMR. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, mais attends, mais c'est un Ezreal mid? Ah, c'est un Ezreal mid. Ah. Et du coup, il y a moyen qu'on gagne, en fait.
Ah non, je voulais vous montrer l'exemple de la luxe, il pue la merde. Non, il faut pas qu'on gagne. Ok, TP, ça c'est une bonne nouvelle. On va back. On le met bien en 4-0. En fait, je suis pas allé sur le chaîne tout de suite avec mon ultime parce que... je voulais juste le trade. Je pensais pas qu'ils allaient venir tout de suite sur moi, en fait. C'était un peu mal joué de ma part, du coup. Mais bon, au moins, mon ultime s'est fait sur les deux. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai mon ultime au cas où que chaîne TP. Chaîne ult. Kair. Ok, c'est pour ça que je voyais des ultimes de Ezreal partir dans tous les sens. Oh! Oh! Le Q va partir. Nice. Je vais pouvoir bien push. Non, non, non. Faites pas trop les fous, faites pas trop les fous, les gars! J'avais juste une vague de ouf, là, je pourrais plus pusher de ouf. Ah, ils sont cons. Ils sont cons parce qu'ils ont bait l'ulti. C'était juste parfait ce qu'ils avaient fait. Moi, j'aurais pu détruire un peu sa tour. Oh putain, il a pas de chance. Le Master Yi, j'ai l'impression qu'il a pas de chance non plus. Il a pas de TP l'autre en plus. Allez hop hop hop, vite vite vite. En vrai, coup près noir, je sais pas si vraiment Tiamat first item c'était bon ou pas. Je pense que le coup près noir est vraiment intéressant aussi. Oh putain, non. Non. Horrible ça quand ça arrive. Donc le Master Yi est mort. On va pouvoir faire quelques dégâts. Allez, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Oh, il est rapide. Il est rapide, ce con. Ah non, par contre, ça va être relou. Ça va être relou. Je peux mettre une pink ici. Je vais mettre une ward un petit peu plus deep. Attends, quoi, pourquoi mon cul est pas passé? Comment ça se fait que mon cul est pas passé? Merde, j'ai complètement fail. Attends, mais il m'a outtrade de ouf. Hein. Il est en 0-2, il me détruit. J'avais pas assez de mana, j'avoue. J'ai foiré mon combo. J'ai pas compris pourquoi mon cul est pas passé. Putain, je suis deg! Il outtrade ce con. Bon, on va quand même le faire chier un peu là. Il va devoir back, donc le Master Yi va devoir être là. Du coup. Voilà, c'est parfait, on l'a cancel. Voilà, il y a le Master Yi ici, c'est parfait. Normalement, ils sont libres assez à la bot lane. Putain, j'ai tellement mal joué, ça a dû piquer les yeux. C'est pas normal par contre qu'il a fait un double kill là. Après, en fait, c'est normal dans le sens où c'est une luxe support en fait. Tu mets tout sauf une luxe, ils auraient pu dive beaucoup plus facilement et tout en fait. C'est juste de la merde luxe. Bon, est-ce que je peux prendre la tour là? Ah, le salaud! C'était chaud, c'était chaud. Il était pas con parce qu'il faisait ses attaques en mode est-ce que le clone est parti ou pas? C'était bien vu, bien joué, il est pas con. Et dommage, disons la first tower. Je voulais absolument la first tower parce qu'il y avait Ezreal, je savais qu'il était là. Tant pis, tant pis. C'est super dommage, je comprends pas pourquoi la botlane n'a pas pris la tourelle en plus. Il restait un hit. C'est débile. C'est pas grave. On va prendre du vol de vie. Il me faut du vol de vie parce que je sens que je vais split push là. J'ai pas l'impression que je vais devoir... le problème c'est que si je split push contre un chêne, déjà il va prendre full armure. Alors qu'en teamfight, ça va être assez cool. Non, je pense qu'il faudrait que je teamfight. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends du vol de vie? De toute façon, il me faut du vol de vie. Est-ce qu'il me faut du vol de vie? Est-ce que je pourrais partir Yumu pour essayer de les choper? Oh, je sais pas, non, je pense pas que ce soit... Attends, réfléchissons. Là déjà, il y a... 3-4 AD. Chaîne n'est pas vraiment considéré AD. Combien de critiques? Ils sont pas partis coup critique. Je vais pas réussir à prendre la tour. Hein. Je sais pas où est Master Yi. Je vais peut-être remourir et donner des kills à Master Yi. C'est pas du tout ce que je veux. Ok, il est mid. Il est mid. Est-ce qu'il a fait son red buff? Apparemment, oui.
Je pense pas qu'il a volé le nôtre. Merde, c'est pas là où je voulais atterrir. Je peux peut-être en tuer un. Je peux peut-être tuer Ezreal vite fait là. Non, il va avoir son E. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je perds plus du temps qu'autre chose. Là, j'aurais bien aimé sa tourelle à l'autre là. Dommage. Ok, Maître Yi qui va ici. Ils vont peut-être faire le... Ils vont peut-être faire ça. Ok, nice, la botlane, ça c'est plutôt bien joué. Il y a le Maître Yi pas loin, hein. Je peux pas faire le full. Hein. Je peux vraiment... Il est en train de faire ça en fait, le Maître Yi, c'est ça le problème quoi. Ils ont pas compris qu'il est en train de faire ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas de vision sur lui. Le Mastery est où? Je l'ai cancel, je sais pas si celle-là. Ouais, ça a pas vraiment sauvé. Merde. Nice. Heureusement que j'ai le coup près noir, hein. Putain, ça me donne tellement plus de vie. Là, j'aurais eu le Chama, ça aurait été nickel aussi. T'inquiète, t'inquiète, on va juste prendre la tour. Moi, ça va me donner beaucoup de gold. On peut push ça. Perfecto! 1400 gold, qu'est-ce que je peux prendre? Ok, cool. Merci Galio. Merci Galio qui avait vu le Mastery. J'avais absolument pas vu le Mastery, moi. Du coup, là, en fait, je prends trop cher. Mais il faut que je push. Je suis obligé de prendre un Tiamat, je pense. On va prendre du vol de vie. Contre Shen, ça va être cool. Bah, en fait, contre Shen, non, parce que... Ça me casse... En fait, cet objet-là me casse les couilles. C'est juste que... contre un personnage tanky, tu veux du vol de vie, parce que tu le tomberas jamais. Donc, au niveau des traits, tu veux lui voler de la vie. Là, le problème, c'est que son objet... Et bah, t'as 50% de soins de moins. Du coup, ton vol de vie pue la merde. C'est, je comprends pas l'objet, en fait. C'est, je trouve ça trop fort. Enfin bref. Après, je pense qu'ils ont assez discuté de la question pour savoir de quoi ils parlent. Donc là, on a le Tiamat. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Là, le vol de vie, comment ça se passe? C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Gardons de la mana parce qu'on est quand même assez gourmand en termes de mana. Pas mal les dégâts. Et en vrai? J'ai beaucoup de regen de vie. Après, j'ai utilisé deux potions. Donc on va pas non plus faire les ouf. Oh oui, ce dragon, merci, let's go les gars. C'est le dragon. Oh, mais attends, il a back là. C'est très bien ça. Là, j'ai plus de vision, il faut que je me casse. Oh, j'ai mis des bons coups. Oui, c'est fait un petit peu bait. C'est parfait, j'ai eu assez de temps pour récupérer de la mana. Peut-être, hein, je dis ça, je sais pas, hein, mais je me semblais quand même assez Ok, on se casse, c'est très bien. Avec Wukong, il faut savoir qu'il faut jamais, ou presque, ça dépend des situations, jamais faire son clone au tout début. Comme ça, ils vont plus savoir si c'est un fake ou pas, mais si vous le faites tout de suite, hein, j'ai failli crever, vous risquez de vous faire avoir facilement. Est-ce que j'ai pas du tout assez si je fais ça? Sauf si je vends ça. Bon, fuck that, on vend ça. J'ai la flemme. Mon équipe joue bien. En vrai, c'est rare quand j'ai une équipe aussi bonne. Là, j'ai vraiment une très très bonne équipe. En fait, le Kha'Zix, c'est très fort. Je vous ai parlé de l'importance du jungler dans une partie. C'est lui qui a tout fait, en fait. Il a réussi à arrêter complètement le Mastery. Après, le Mastery a foiré. Hein. Au début, il s'est fait tuer. Il aurait pas dû. Le Kha'Zix a snowball. Par contre, la botlane, je sais pas comment... Bah ouais, il est en 5-5 quand même. Oh, mais attends. Ouais, mais j'ai pas mon ult, mec.
je me suis pas fait avoir, c'est cool. Il est mort. On a évité le taunt. Non mais mon équipe joue trop bien en vrai. En vrai c'est dégueulasse quoi. En vrai, je fais rien dans la partie. Et en plus la botlane arrive maintenant à faire des kills. Rien à dire, rien à dire, tout le monde a bien joué, c'est super agréable, c'est parti comme ça. Putain que c'est agréable, what the fuck. Ouais, oui, il peut tank le Galio. C'est vrai que Kha'Zix avec son Q ça risque de faire pas mal de dégâts. Ok, ok, je veux bien. Moi j'ai du vol de vie en plus, ça va être cool. Est-ce que tu veux une petite ward ou pas? Non, ils sont morts, okay, non, ils arriveront jamais à temps. En effet, super bon call. Est-ce qu'on arrive la technique ou pas? Oui, on arrive la technique. En fait, j'ai changé. Je pensais que mon c'était en quick cast. Merde, c'est quoi? Smart quick cast? Putain, je sais plus. Oh, attends. Merde, comment ça s'appelle ce truc? J'ai voulu le changer, mais en fait, c'est peut-être pas mieux. Je l'ai mis en normal cast au lieu du quick cast with indicator. Why not? Why not? Why not? Donc là, qu'est-ce qu'on prend? Là, j'aimerais être un peu plus tanky en vrai. Je peux partir sur ça. Y a pas de critique en face, du coup, pas de rendu 1. En plus, avec un. Ah, oh, je sais pas! Ah! Prenons plus de vol de vie. Allez hop. On est à 22 minutes. J'aurais pu rester à la base et avoir un. GG. Et avoir un bonus de vitesse et me téléporter. Pas besoin. Ah putain, ok, je vais top. Je vais top, je vais top. Je vais split push. J'ai acheté un build pour split push. Donc je go split push. Oh, oh les dégâts. Oh là là. C'est dommage, je pense qu'il avait son W, mais il a eu peur du flash ou du jump de Kha'Zix peut-être, je sais pas. Alors hop. Le split push. Ah oui, c'est plus pratique. De toute façon, mon équipe a même pas besoin de moi. Au pire, ça se passe mal, ils ont juste à prendre la retraite. Et moi, je split push, c'est beaucoup plus rentable d'être sur de lane, surtout avec un baron. Ils finissent la game ou quoi? Ah bon, ils ont pas vu. Ils ont pas vu la Kite qui était dans la merde. Dommage. Ok, moi je split push. Je vais peut-être défendre la botlane, je vais peut-être de push la botlane après. Je sais pas en fait, là je suis mitigé. Est-ce que je TP? Est-ce que j'aurais dû TP pour aller les aider? Peut-être qu'on aurait pu finir la partie, je pensais pas que les ennemis étaient aussi faciles à tuer. Normalement ils ont juste à mettre une pression. Oh oui d'accord, ils leur crachent dessus quoi, c'est... Ouais, on aurait pu finir la partie, j'ai mal joué là. Je pensais pas que l'ennemi allait mourir en 4v5 en fait, c'est très bizarre. Par contre là, s'il fait le fou... Lui, merde. J'ai mis mon Q sur un minion. Ah merde. Il fait des dégâts. Ah oui, c'est le Fed, je suis débile. Et en plus il a Doxblade. Ah là là. L'Alpha Strike. Qui m'a bien bait. Ouais, désolé. Désolé pour ce gameplay un petit peu moisi du cul. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'ai complètement sous-estimé les dégâts de Lucien. Luciane. À chaque fois, putain, je me trompe, c'est horrible. Là, niveau build, je suis perdu. Youmou, sans plus, en vrai sans plus la Youmou dans cette optique. En fait on est tellement devant maintenant, je pense que je peux rouler juste ma tête en fait. Où vais-je? Que faire? Dragon bientôt. Ça déjà je vais vendre. Non, c'est ça que je veux. Ok, hop. Let's go dragon. Dragon infernal. Non, en fait je vais peut-être tuer l'autre là. Il me faudrait une ward pour que je puisse tuer un mec. Attends, je vais là, je vais juste tuer Master Yi. Mais... Bon, en fait, je rigole, mais...
Ah! C'est bon, on a réussi. J'ai fait n'importe quoi. Ne faites pas ça. C'était nul. J'ai grid parce que... des fois, votre cerveau ne suit pas. Alors, on peut pas finir, on a pas de sbire. Si, ils arrivent. En vrai, putain, les mecs. Il y a un inhibopen, personne y va. En fait, je vais pouvoir reprendre de la vie là-dessus, c'est cool. Tape le truc, toi. Je vais reprendre ma vie sur l'ennemi. Non, mais en fait, on peut finir aussi, oui. Ouais. Mm-hmm. C'est une possibilité. On s'en fout, on finit. Je finis. Allez, ciao. Désolé pour ce gameplay à la fin, c'était moisi du cul. Moi, j'espère vous avoir aidé au niveau du build. Je trouvais ça assez intéressant d'être contre un tank qui bah, vous outride au début. Après, encore une fois, c'est le jungler qui a fait le taf. C'est lui qui met tout le truc, en fait. Bravo aussi à Galio, il a fait d'excellents ultimes. Galio, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé au top, mais c'est un champion qui est très utilitaire. Bref, j'espère que vous avez aimé, et à la prochaine. Salut les gars.